Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là et d'être resté si tard dans cette moiteur parisienne. Juste pour commencer, une première question avant d'introduire le panel. Est-ce que vous connaissez Hassan Thiam ? Est-ce que quelqu'un connaît Hassan Thiam ? C'est posé la question au début d'introduire en faisant un peu un laïus sur la question de l'éducation par le sport, formons des citoyens de manière un peu générique. Et Hassan Thiam, c'est quelqu'un qui a fondé une association qui s'appelle Le Monde FC, Le Monde est à nous. On l'a cité Pablo Picasso à Nanterre. Il bosse beaucoup, il n'a pas le temps de venir dans ces heures d'après-midi et de prendre la parole. Ça fait maintenant 3 ans qu'il a monté ce programme d'éducation où il accompagne 40 filles, 40 garçons toute l'année, où il va aller chercher au collège, où il fait un programme d'éducation et d'insertion et où il a reçu quasiment 700 et 800 candidatures par snap de gamins de son quartier. Ça se passait bien jusqu'à ce qu'il y a un an, effectivement, il y a un début de retour de Rix, puis qu'ensuite le tournage d'Arsène Lupin ne se passe pas très bien. Et maintenant, depuis 2 jours, avec le refus d'obtempérer stupide, et puis derrière un drame, on se retrouve avec une situation où il y a peu de chances que le quartier puisse revivre normalement, et il y a peu de chances qu'un éducateur comme lui, qui a fondé cette association et qui l'a fait vivre, reprenne le cours normal de son activité. Les gens qui sont là aujourd'hui ont peut-être parfois le temps de venir, sont cadres, sont retraités, ont des dispos, peuvent le faire. Les meilleurs d'entre nous sont peut-être pas là, ils sont peut-être sur le territoire et sur les sites, donc je vous demanderai de les applaudir et qu'on va applaudir ceux qui ne sont pas là autour de l'éducation par le sport. Comme les meilleurs ne sont pas là, on a les sous-meilleurs à la modération et autour de la table. Et donc, dans les sous-meilleurs, on va commencer cette table ronde et cette présentation d'abord par Caroline Métro-Fojas, qui est fondatrice de Nomade Éducation. Merci d'être là. Merci. Et on peut applaudir également, on va se chauffer. Allez. Laurence Fischer, qui est la fondatrice de Fight for Dignity, triple champion du monde karaté. Laurence, merci d'être là aussi. Oui, merci à vous. Merci pour vous. Alain Yardet, qui est passé par Perpignan, par de nombreux clubs de rugby, également par les États-Unis, on va en parler, et qui est fondateur de Chic Chac, un fonds de dotation pour apprendre aux jeunes à prendre soin de soi. Merci. Et enfin, Agnès Perrin-Turenne, qui est présidente déléguée de la Tony Parker Adequate Academy. Merci Agnès d'être là. Alors une première question pour vous tous, pour commencer. Est-ce que vous, jeunes, que vous soyez jeune athlète à l'époque ou jeune élève, vous seriez coaché ? Vous auriez aimé vous coacher aujourd'hui ? Si on remonte un peu dans le temps. Caroline, est-ce que toi, quand tu étais plus jeune, tu avais envie de te coacher actuellement, tu aurais aimé te coacher petite ? J'étais chiante, mais j'adorais le sport, donc ça faisait partie déjà de ma vie, donc je pense que j'étais plutôt agréable à coacher. J'aimais atteindre déjà les objectifs, donc voilà, je voulais être bonne dans ce que je faisais, donc c'était pas désagréable pour ceux qui m'entraînaient. Laurence ? Moi, c'est un peu particulier parce que je suis une ancienne athlète, mais j'aimerais bien qu'on me donne la définition du mot « coach ». Je considère que par nature, on a besoin d'être accompagné comme un tuteur. Et oui, ça a été mon père qui a commencé à l'adolescence, donc ça n'a pas dû être facile pour lui. Mais c'est lui qui a voulu que je fasse du karaté, mais donc naturellement. Mais je me méfie de ce mot coach. Agnès ? Ouais, bah effectivement, coaching, c'est assez récent comme terme en fait. Et avant, c'était quoi ? C'était de l'accompagnement, c'était de la bienveillance aussi, c'était très académique en fait, très formalisé. Mais est-ce que c'était mieux, est-ce que c'était moins bien ? C'est une question de forme en fait. Mais coaching en fait, et ce dont on va évoquer, les soft skills, etc., c'est très récent en fait. Moi, je suis trop vieille. Alain, vous étiez un joueur chiant ou pas vous ? Non, j'étais pas un joueur chiant, j'étais un joueur qui aimait s'entraîner. Mais j'ai surtout la chance de pouvoir avoir des éducateurs, hein, c'était pas les coachs, c'était les éducateurs, qui m'ont en fait permis de développer cette passion qui était en moi depuis la petite enfance et qui m'ont permis de devenir après un joueur aguerri et devenir après un éducateur et un entraîneur. Alors l'idée, on a beaucoup d'acteurs qui sont venus toute la France aujourd'hui, c'est d'essayer de définir un petit peu si vous avez des certitudes sur l'éducation que vous pouvez leur transmettre. Déjà, est-ce qu'il y a une identité de l'éducation du sport en France ? Ça, je ne sais pas si ça vous avez une connaissance là-dessus. Et du moins, surtout, est-ce que vous avez des certitudes sur l'éducation par le sport que vous voulez transmettre aujourd'hui aux gens qui sont là ? Qui veut commencer ? Des certitudes, c'est un peu complexe de dire ça. Je pense que la société a évolué et que le coaching et l'éducation doit évoluer. Le club aujourd'hui ne peut pas rester ce qu'il était il y a 10, 15 ou 20 ans et il faut forcément le faire évoluer. Quand on fait évoluer le club, il faut faire évoluer l'éducation et la formation qu'on peut dissiper à nos enfants. Et la question que je me suis posée, c'était celle-ci, c'est de dire est-ce qu'aujourd'hui il faut qu'on laisse le club dans l'état ou est-ce qu'il faut qu'on réfléchisse à une autre façon d'appréhender la formation ? Et qu'est-ce qu'on doit donner à nos enfants pour les faire venir, les accueillir, les pérenniser chez nous et que le jour où ils vont repartir, qu'ils seront des adultes, ça deviendra des adultes épanouis. Nous,
Alors, chez Nomade Éducation, on considère qu'il faut qu'on arrête un petit peu de se poser des questions, que c'est une urgence en fait. Le sport doit être vraiment un des piliers de l'éducation, que ça doit rentrer partout dans l'école, c'est une urgence. On a une jeunesse qui va mal en termes de santé, on en parle, mais on en parle quand même très peu quand on voit l'explosion de l'obésité, quand on voit le mal-être. Enfin, on est dans un pays, moi qui vais beaucoup en Afrique, où la jeunesse va plutôt bien. En France, les jeunes dépriment. Je pense que le sport a un apport et qu'il est vraiment temps de se dire que très jeune, on doit pouvoir... Voilà. Moi, je dis toujours, on a un corps et une tête, et je trouve qu'on oublie qu'on a un corps. Alors, on vient du monde animal, le corps fait partie de notre vie, et on doit se dépenser pour vivre heureux, donc il faut réintégrer le sport partout. Et des sports, il y en a plein, très différents, donc ils peuvent plaire à tout le monde, donc il faut qu'on se bouge vraiment pour les jeunes. Moi, je ferai une petite digression d'abord pour vous dire qu'il y a un appel à participation d'une initiative portée par un think tank qui s'appelle Vers le Haut, qui travaille spécifiquement l'éducation. Et je fais partie du comité d'orientation. Donc, si vous, sur cette réflexion fondamentale, vous avez une expertise, s'il vous plaît, donc regardez vers le haut et contribuez à cette réflexion commune autour de l'éducation. Et c'est intéressant parce que ça a démarré sur le mot coaching. Donc la terminaison d'éducation, elle est, voilà, c'est comment on la définit aujourd'hui cette éducation. Moi, à l'échelle de mon parcours, j'ai eu la chance en France d'avoir pu être identifié comme au potentiel et d'avoir fait toute une carrière avec la force du bénévolat, des clubs, etc. Mais moi, je parle de la performance et le fait de la performance en soi, je dis attention, parce que j'ai d'abord vécu le sport, comme tu l'as dit, c'est le corps, et on est corps. Et le dissocier de la tête et de déconsidérer et de ne pas valoriser et de ne pas soutenir ce que le travail extraordinaire que font les éducateurs, c'est une valeur hyper importante à l'échelle de nous, de notre condition d'être humain. Et aujourd'hui, c'est absolument le potentiel d'impact sur la jeunesse, c'est en dessous. Voilà. Et c'est quand on veut, j'y vais cash, pour un moment donner la place au corps dans l'épanouissement des jeunes. Nous, on le sait, parce qu'on travaille, et je le fais avec Fight à l'échelle du post-trauma et de l'impact le corps sur des personnes qui sont fragilisées, donc dans le corps en mouvement, mais par contre, c'est voilà, il y a un enjeu hyper important sur cette notion-là. Non, pour rebondir sur ce que dit Laurence, est-ce que vous faites une distinction, et Agnès en premier peut-être avec votre expérience aussi, une distinction entre l'enseignement et le coaching? Est-ce que c'est un abus de langage de mettre du coaching partout, ou est-ce que la question de l'enseignement correspond aussi à un rapport au territoire, à un service public, à un truc d'intérêt général, ou là aujourd'hui entre les assos et vos structures privées, on voit évoluer des nouveaux acteurs? Moi je réfléchissais, enfin pour moi tout est éducation, mais avec un grand E quoi. C'est-à-dire que le réceptacle c'est le jeune. Et il a tout le corps enseignant, voilà, il a sa vie à l'école, il a sa vie dans son club ou ses clubs, dans ses activités, il a sa vie dans sa famille, il a sa vie avec ses copains. Le problème, c'est que tous ces univers-là ne communiquent pas entre eux. Donc lui, il prend les choses un peu par couche, et c'est dommage parce qu'il y a quand même une déperdition. Et donc, de temps en temps, bah, il va osciller plus ou moins... parce que la famille est derrière sur l'école, et puis après, lui, il a envie d'aller sur le sport, et puis à un moment, on lui dit, bah non, mais faut que tu fasses autre chose et tout. Et je trouve ce qui est très, très dommage en France, c'est vraiment le côté silo, et que tous les acteurs qui entourent le jeune ne se parlent absolument pas. Et ça, c'est vraiment dommageable. C'est ce qu'on a essayé de reconstruire, nous, à la Tony Parker Academy, que tous ces univers-là travaillent ensemble dans l'objectif, effectivement, d'éduquer, mais au sens vraiment très haut, le jeune pour son bien-être personnel, pour sa santé et puis pour son projet. Alain, vous, dans la méthode pédagogique, vous associez le progrès et vous assumez le fait qu'il y ait des gens à différentes étapes par la dimension chromatique, par la couleur, par des chaussettes de couleurs différentes, comme il y a des ceintures de couleurs différentes dans les arts martiaux. Ça vous est venu comment, cette idée de pouvoir matérialiser le progrès par la couleur? En fait, ça c'est une partie en fait du projet. L'idée c'était de dire comment on peut reconnecter en fait nos enfants, comment on peut reconnecter les bénévoles, comment on peut reconnecter le territoire au club, parce que le club a un rôle quand même éducatif capital. Aujourd'hui, on a la cellule familiale, l'autorité parentale, on a l'éducation nationale, mais le troisième endroit où on éduque les enfants, c'est dans les clubs associatifs. Donc on a une mission qui est forte. Et aujourd'hui, c'est de dire comment on va capter ces enfants, comment on va les rendre assidus
à la pratique. Et comment on va continuer à faire venir des bénévoles qui, ont, avec le Covid, sont sortis de ces associations. On manque aujourd'hui de bénévoles. Et donc, il fallait les reconnecter. Donc, on a choisi, en fait, de en fonction de l'âge, de mettre en place des doubles activités qui vont donner du sens, en fait, à la structuration et au fait que les enfants grandissent. En fonction de l'âge, on a associé une compétence. Moins de 6, par exemple, on a besoin de travailler sur la dextérité, sur la coordination. Donc, on fait faire du cirque. Sur les moins de 8, c'est le moment où on a besoin de vaincre sa timidité, on a besoin de s'exprimer, on leur fait faire du théâtre. Moins de 10, c'est le moment où on a besoin de parler de créativité. La langue des émotions, c'est la musique. Sur les moins de 12, on a parlé d'environnement, donc on travaille sur l'environnement. Sur les moins de 14, on travaille sur la relation intergénérationnelle, beaucoup de familles monoparentales. Sur les moins de 16, on travaille sur le handicap. Voilà. Et au milieu de tout ça, on a dit que c'est important de pouvoir structurer l'enfant et surtout de reconnecter la famille au club. Et donc, on a choisi un modèle pédagogique. On s'est inspiré des arts martiaux. Donc, nous, dans notre costume, on n'a pas de ceinture, mais on a des chaussettes. Et l'idée, c'était de mettre des chaussettes de couleur. Alors, en général, les clubs ont 3 couleurs, donc rouge, bleu, puis une blanche. Et de pouvoir parler de motricité avec l'enfant, de pouvoir parler de travail affectif avec l'enfant, et puis de quelques techniques, mais aussi associer à ça des valeurs de politesse, des valeurs de ponctualité, qui sont simplement la vie. Et ça permet de faire grandir l'enfant avec des éducateurs, mais ça permet aussi de rester connecté aux parents. Et régulièrement, tous les 6 mois en général, ben on rencontre les parents, pour ceux qui viennent le moins souvent au stade, et puis on discute avec eux de comment évolue l'enfant, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe, voilà. Et donc, on recrée du lien entre le monde associatif, entre les bénévoles et entre la famille. Caroline, Alain, il parle de structure intermédiaire entre l'enfant et puis son apprentissage, la famille, le club, l'association. C'est un sujet important, ça, dans l'apprentissage, de devoir, même si le digital permet de croire aussi parfois qu'on a accès à tout. Alors, d'avoir. Je pense que c'est important. Nous, ce qu'on reproche quand même, c'est qu'on s'adresse rarement directement aux jeunes. Quand je parle avec les fédés, ils me disent que plusieurs me l'ont dit, hein, qu'ils cherchaient avant tout l'audience avant de ramener des gens dans les clubs, donc ils cherchaient avant tout des spectateurs télé. Il y a plein de fédérations qui m'ont dit ça. Deuxièmement, quand j'ai été voir les JO pour la notion d'héritage, ils m'ont dit « Ah non, on va rien faire directement vers les enfants, on va passer par les prescripteurs, les profs, qui ont déjà 1 million de choses à faire, donc c'est eux qui doivent véhiculer. » Nous, quand on parle d'école aux enfants, on leur parle directement sur leur vecteur, TikTok, Instagram, parce qu'ils sont là aujourd'hui, on arrive à les embarquer. Et moi, je pense que ces gamins, ils sont pas plus bêtes qu'on l'était nous. Il faut aussi qu'on s'adresse à eux, qu'on leur parle de plaisir, qu'on leur parle de bonheur, qu'on leur parle de soft skills, et ils sont tout à fait capables de se prendre en main. Je dis pas que les autres cercles sont pas importants. Je dis qu'en tout cas, je ne vois pas un message qui s'adresse vraiment. Et les sportifs, notamment, pour moi, ont un rôle hyper important à jouer. Souvent, ils sont admirés. Je les vois pas beaucoup sur ce que suivent mes enfants. Parler beaucoup du plaisir de jouer, du plaisir de faire un sport, etc. Donc, disons à nos jeunes, enfin, partageons avec émotion tout ce que ça fait, sans dire, l'UNSS me dit, on parle aux parents, on parle aux profs, mais parlons aussi aux jeunes. Voilà, il y a des manières aujourd'hui de les toucher hyper efficaces. Essayons, ça peut être très efficace. Laurence, toi, sur ton sport et puis aussi l'association, c'est de la reconstruction personnelle après parfois un drame ou alors des dimensions intimes. Là, pareil, est-ce que la dimension collective est un sujet où on va déjà essayer de toucher individuellement la personne pour lui permettre de s'émanciper? Brio, le constat que je fais sur le travail que je fais avec Fight, d'abord, je tiens vraiment à remercier parce que je me suis faite grâce au club, donc aux fédérations, grâce à la qualité, à la formation des enseignants, donc à une reconnaissance, à un accompagnement institutionnel donc du ministère, au travail du mouvement sportif, du comité national olympique et paralympique, grâce à l'agence pour l'éducation par le sport qui était fait nous rêver à l'époque, grâce à la fondation d'entreprise qui a soutenu l'ONG, grâce à Play International, grâce à Sport dans la ville, à des structures ONG, société civile, à des personnalités engagées. Et peut-être la spécificité du sport, c'est que je suis aussi partie, en ce moment, il y a aussi sur la problématique de la santé. Mon sujet, c'est la santé. C'est gentil de dire des violences intimes. Moi, je parle de viol de guerre, de viol utilisé comme arme de guerre. Je parle d'inceste, de pédocriminalité. Je parle de mutilation génitale, d'excision. Donc, je vais parler de pas des parties intimes, mais je vais donner les noms. On va parler de la vulve, on va parler de l'anus, on va parler de choses, de parties intimes, du périnée, des choses qui sont tellement tabous. Brieux, je vais parler du corps, en fait. Et ce que je veux te dire, c'est que la force, le pouvoir du sport, tu as parlé des valeurs, c'est qu'en fait, c'est transverse.
Aujourd'hui, à l'échelle institutionnelle, on ne peut pas faire sans le ministère de l'Éducation, sans le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, sans le ministère de la Santé, sans celui du handicap. Il faut absolument qu'on travaille ensemble. Donc moi, le projet que j'ai avec FIGHT, c'est de travailler avec les experts, avec beaucoup d'humilité, et de se dire, voilà, moi, ce que j'amène, et ce qui est tout à fait anormal, les violences aujourd'hui, c'est pandémique, c'est universel, et ça s'adresse majoritairement sur les jeunes filles et les femmes, majoritairement. Et le constat que j'ai fait en situation de conflit, post-conflit au Kivu, à Panzi, le constat que j'ai fait dans une approche complètement précurseur et holistique d'un accompagnement global au niveau de la justice, de l'accompagnement socio-professionnel et de la réparation médicale, c'est que le corps en post-trauma, rien. Ça veut dire que le mouvement sportif, moi je suis karatéka, j'amène le karaté, mais le basket, le rugby, le tennis, toutes ces disciplines-là n'ont aucune compétence de manière systématique, reconnue à l'échelle universitaire, parce qu'on a fait une recherche action, pour accompagner ce qui est universel à l'échelle de notre condition humaine, c'est le traumatisme qui sont liés à des violences. Donc moi, tu vois le sujet ? Donc moi je suis là à vous dire, les amis, à quel moment... Et sachant que l'impact est merveilleux, c'est une solution. Je prends le truc le plus dramatique qui puisse arriver à une personne avec le continuum que ça représente. On est victime de violences sexuelles quand on a 12 ans, perpétrées par son frère, son grand-père, son père pendant... Parce que majoritairement, ce sont des hommes, malheureusement. Pendant X années, et ben derrière, débrouillez-vous avec ça. Débrouillez votre corps et la relation que vous allez avoir avec votre corps. Voilà. Moi, c'est mon sujet et le constat que je fais, c'est que ça fonctionne quand on travaille tous ensemble. Et là, je change aussi le mot du corps. On est un pays en France où on a les intellectuels et pas que, on construit énormément de séparation entre le corps et le cerveau, de se dire qu'on réussissait et que le corps était un détail. On n'est pas le Brésil, on n'est pas l'Argentine, on n'est pas le Mali, on n'est pas des pays où, en gros, il y a un lien entre les deux qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel. Là, c'est un combat que tu t'es assigné sur la question du viol, effectivement, et plus généralement sur le corps. C'est aussi un sujet d'enseignement, de prendre conscience aussi bien du process et de la manière d'apprendre que le corps lui-même. Je sais qu'à la Tony Parker Academy, j'ai commencé à regarder un peu la série, il y a en permanence des gens qui sont autour, et donc le corps est un outil de travail comme les autres, ou du moins est vulgarisé au quotidien comme un moyen de se connaître. Quoi. Ouais, puis on a grandi, on a fait venir effectivement psychothérapeute, on a fait venir orthophoniste, on a fait venir aussi toutes les expertises autour, pour encore une fois entourer et faire qu'il y ait une cohérence dans ce qui est transmis aux jeunes. Parce qu'on ne se rend pas compte, nous, professionnels, chacun, ben, il y a des gens hyper investis dans les assos, effectivement, dans les structures, dans les écoles et tout. Chacun est hyper investi, chacun a envie de faire au mieux. Sauf que le gamin, il reçoit différents discours, parfois même antagonistes. Et puis, il y a la famille, parfois éclatée. Il y a ce qu'on porte aussi de responsabilité familiale et sociétale. Et du coup, enfin, dans la tête des gamins, c'est tout qui est conflictuel. Donc nous, ce qu'on essaye, c'est de ranger les choses et d'apporter au maximum toutes les expertises pour accompagner le jeune, son projet, pas forcément pour devenir sportif de haut niveau. Hein. L'idée, c'est au contraire de s'en occuper, mais surtout de s'occuper des autres. Les 95-98% qui ne seront pas les sportifs de haut niveau, parce que de faire que leur projet et cet accompagnement-là leur servent, qu'ils ne soient pas vains, qu'il ait une valeur, et qu'il ait une valeur après pour monter une entreprise, pour aller sur de l'emploi et autres. Et que tout ça accumulé, ça soit vraiment cohérent. Parce que c'est là aussi où est le bien-être. Alain, sur le corps, comment dans le rugby on s'y prend? Parce que là, on sort la production d'un documentaire sur l'année Crabos des 17 ans, 2013-2014, de Auch, à l'époque où il y avait effectivement Anthony Gelon et Antoine Dupont. Et on se rend compte, dans les vidéos d'archives qu'on voit, qu'au rugby, quand même, non pas nier son corps, mais le bétonner pour être sûr d'aller dans un rapport de force frontale, ça, c'est pas si simple d'en prendre conscience et en même temps d'aller au combat toutes les semaines. Comment le rugby se sert du corps, qui est quand même un outil très très différent des autres sports, pour pouvoir réussir? Par rapport à ce que tu disais, je pense qu'il faut qu'il y ait une information qui vienne passer tout en bas. Parce qu'aujourd'hui, quand on s'adresse à un collectif où il y a 50, 60 individus, ce n'est pas très compliqué. Mais quand on s'adresse à la masse, où on va se trouver en face de 20 000, 30 000 clubs, comment on s'adresse à ces gens-là et comment on a un discours qui est pertinent et qui a du sens? Parce que en parler c'est une chose, mais descendre dans les clubs c'est bien plus complexe, et je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à ça pour qu'on puisse avoir ce discours-là auprès de l'ensemble de ces petits acteurs. C'est l'éducation, justement, ouais. C'est de la formation, c'est une capacité de faire savoir le savoir-être, le savoir-faire, et donc c'est une systémie dans la transmission de cette connaissance. Absolument, tout à fait. Alors après, pour en revenir... Pardon.
pour en revenir au corps dans le monde du rugby, je pense que ça vient un peu plus tard, c'est-à-dire que quand on a des enfants qui ont 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, ils ne sont pas forcément destinés à jouer à haut niveau, ils sont dans une vraie période en fait, d'apprentissage. Est-ce que ça deviendra des joueurs de haut niveau? Je ne sais pas, on ne le sait pas. Mais à l'âge de 15-16 ans, ben, on a des prédispositions et là, on peut dire que ces gens-là ont des compétences pour devenir demain peut-être des potentiels haut niveau. Donc là, ben, ils sont adressés, en général, ils sortent de ces petites clubs, ces petites structures hein, qui sont la majorité en France, qui ont formé les Dupont, qui ont formé les Gelonges, qui ont formé ces gens-là. Je parle de Hoche, par exemple. Et puis, ils vont à Castres, ils vont à Toulouse, ils vont à Lyon. Et puis là, ben, ils ont des spécialistes qui s'adressent, en fait, à ces gens-là pour développer leurs compétences, pour qu'ils deviennent ben, des joueurs de haut niveau, mais qu'ils aient un corps qui soit en adéquation avec la performance de haut niveau. Non, moi, je voulais rajouter, quand on va à la réunion parents-prof pour revenir sur le rapport de la France au sport, je suis toujours la seule qui coche le prof de PS. Donc, il est content de me voir, ça fait des années. Mais cette année, c'est le brevet et le bac. Alors, moi, c'est deux rugbyman que j'ai à la maison, une fille et un garçon. Et il me dit toujours, madame, je suis contente de vous voir parce qu'il n'y a personne qui s'intéresse au sport. Donc, il y a les maths, le français. Enfin, moi, je ne sais pas, je suis une maman. Je pense que si on s'adressait aux parents, je pense que tous les parents veulent que leurs enfants soient le moins harcelés possible, le mieux dans leur basket possible, fort dans leur tête, pas dépressif, pas avachi dans le canapé. Et par contre, personne n'y va. Je pense qu'il y a quand même des choses qu'il faut dire. Moi, je suis hyper fière et hyper exigeante sur la note qu'ils ont en sport. Ils ont intérêt à... Et je pense que c'est des choses qu'on ne véhicule pas. Le prof de PS a un rôle hyper important. J'ai vécu 2 ans en Suède. C'est incroyable comment c'est différent. Ça fait partie de la culture. Donc, on a, en dehors du sport de haut niveau, et je ne suis pas tellement d'accord sur le rugby, parce que quand on met des enfants au rugby à 4 ans, je ne sais pas s'ils voient une différence. Moi, c'était moins dur que de faire du cheval. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est pas plus... Si on apprend jeune le sport, je ne suis pas sûre qu'il y ait une difficulté supplémentaire. Mais en tout cas, on n'a pas, pour moi, dans les moyennes. Donc là, il y a le bac sport qui a été créé. Il y a plein de choses qui changent. La note a été revalorisée. Mais c'est hyper important. Et en tant que chef d'entreprise, quand je vois un candidat, moi, je vois tous les candidats 10 minutes après les managers. Je regarde cette partie-là. J'adore ce que le sport apporte comme soft skills. Et je recrute des gens qui ont un niveau académique parfois moins important. Mais c'est dingue ce qu'ils apportent à l'entreprise parce que, quel que soit le sport qu'ils aient fait, ça leur a apporté des qualités et pas forcément de haut niveau, qui sont incroyables pour un chef d'entreprise. Bon, vous êtes toutes et tous passés apparemment par l'étranger au moins un peu longtemps. Alain, vous étiez 3 ans à Austin aux États-Unis. Donnez-nous un truc que vous avez vu à l'étranger qui nous serait tous utile à récupérer dans la manière de pratiquer l'éducation par le sport qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas et qui serait un peu votre tips à vous. Qui veut se lancer? Ben moi, en Suède, l'après-midi, on est dehors déjà au moins 2 heures. C'est-à-dire c'est le rapport à la nature. Qu'il fasse froid, qu'il fasse... C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser un enfant, donc quand les miens sont rentrés, 8 heures assis... autour d'une parce qu'ils sont vivants quoi, 5-6 ans, donc ils vont dehors, ils bougent, et bouger c'est ce qu'on disait, c'est pas forcément faire du sport, hein. C'est aller marcher dans les Loires et même en ville, aller se promener, enfin on peut marcher 2 heures dans Paris, enfin il faut que dans la semaine il y ait un temps d'activité, ils font de l'activité physique quoi. Ils trouvent que c'est aussi important de construire une cabane que de savoir je sais pas, faire tout ce qu'on apprend très compliqué quoi. Je fais du sport aux États-Unis, je suis pas un branleur. Faire du sport en France, c'est souvent synonyme de dire, ben ouais, c'est un branleur, il faut rien. Hein. Je fais du sport aux États-Unis, ben je suis reconnu comme tel, j'ai une vraie valeur et le sport est reconnu comme tel. On parlait d'un outil éducatif, absolument, avec un certain nombre de choses derrière. Donc le sport a une vraie place dans le modèle américain. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai même vécu en tant que mère. Hein. La confrontation entre est-ce qu'il va bien aller à l'école, est-ce qu'il va bien travailler à l'école, ou est-ce qu'il va être, il va performer dans son sport ou sa passion. Et on a vraiment ça en France, qu'il n'y a pas du tout ailleurs. Quoi. Au contraire, c'est évident. Enfin, il n'y a même pas de question. Quoi. C'est évident, c'est complémentaire, et surtout, c'est hyper valorisé. Mais c'est même dans l'enseignement, parce que en Europe du Nord, ils manipulent. Très tôt, beaucoup, même au niveau apprentissage éducatif, ils sont dans la manipulation, donc c'est le geste, même le geste est du sport en fait. Alors qu'en France, c'est toujours de la lecture, de l'académique, de l'apprentissage par cœur, on en est toujours là, ça n'a pas changé. Et c'est là où effectivement, dès le plus jeune âge, on n'a pas du tout la même façon d'aborder le geste, donc le corps, et du coup l'habitude effectivement de reconnaître toute la mobilité comme soft skills et core skills hyper importantes dans l'apprentissage. Oui, peut-être je prendrai l'exemple, ça a été dit, des pays scandinaves et du Japon aussi, et ça rejoint le fait de
quand on pense éducation, on pense école, et que de l'importance à l'école, à l'échelle de l'école primaire, et de je prends la natation aussi, j'avais été de faire qu'il y a de vrais temps d'échanges, de rencontres, et on va naturellement à la piscine, et c'est comme aux États-Unis certainement, mais je connais pas, mais de l'émulation que ça crée, parce qu'on a, c'est une période quand on est ado, ben on est extrêmement attaché aux copains, on est en transformation et effectivement on est valorisé. Mais le point de vigilance que j'ai quand même, ça rejoint le fait de la problématique. Alors je prépare pas, parce que j'étais athlète, mais de la performance. Et en gros, même en France, dans la mentalité, je l'ai vécu à l'échelle même de mes enfants, pour aller inscrire ton enfant, et c'est comme l'art, hein, c'est comme la musique. Tout de suite, on pense champion. C'est-à-dire que la pratique, ce que tu dis, pour le plaisir, pour voilà, à l'échelle des clubs, hein, je parle moins à l'école où ça devrait être, on a les 30 minutes aujourd'hui, obligatoire, mais c'est tout de suite de se dire, c'est pour devenir soliste au violon ou pour devenir athlète. Et on ne prend pas le jeune dans le club juste pour qu'il apprenne à nager, quoi. C'est juste quelles sont ses aptitudes pour potentiellement devenir un athlète alors qu'il a 5 ans. Pour moi, ça me pose problème. Voilà. Et pourtant, je suis une ancienne athlète. Donc voilà, c'est se dire, à l'échelle des clubs, donc je me dis, il y a peut-être un problème de passerelle entre l'école, où l'UNSS fait un beau travail, mais où la dévalorisation des profs de sport, même en termes de notation, enfin, c'est, ça n'a pas de valeur, et le club et tous les dispositifs qui sont autour, et qui sont... et c'est complexe, parce qu'en même temps, les clubs, le modèle français, c'est quand même pas cher. Et donc on a une accessibilité, alors que certainement dans ces pays, si tu vas dans un club, il faut quand même avoir un certain moyen. Donc c'est, en même temps, ça crée des inégalités. Pour reboucler avec ce que tu évoquais là, la performance, puis au niveau au début qu'on n'a pas trop traité, c'est maintenant résoudre la courbature du cercle. Comment on arrive à conserver une notion de plaisir quasi à la minute, à l'heure, dans un domaine de performance de haut niveau où les engagements sont importants, la pression l'est, mais ça reste que du sport. Comment on s'y prend à différents niveaux, que ce soit pour le basket, pour le rugby, pour les activités qui sont les vôtres ? Bah, déjà, pour en revenir, je trouve assez dingue. De toute façon, il y a un vrai problème, c'est la notation. Déjà, on peut questionner la notation pour les maths, le français, etc. Il y a plein de pays qui l'ont abandonné, hein, pour les jeunes, mais particulièrement pour le sport. Il y a souvent beaucoup d'injustices. Enfin, il y a de l'iniquité, c'est pas très structuré en termes de référentiel de notation. Donc déjà, il y a ce questionnement-là sur la notation. Et puis après, effectivement, moi, je suis assez frappée de la manière presque militaire parfois, honnêtement, hyper autoritaire, hyper violente de l'entraînement sportif pour obtenir le meilleur. Encore une fois, il y a la bonne intention, mais il y a ce que ça génère. Et c'est quand même un peu comme accoucher dans la douleur, quoi. Il y a quand même, il faut travailler dans la douleur, quoi. Et ça, c'est quand même très latin chez nous et c'est très présent. Et il y a une autre façon, effectivement, de former les éducateurs, mais c'est tout aussi valable le parallèle dans l'éducation elle-même, la formation de travail. C'est pas grave si on rigole, c'est pas grave si on prend du plaisir, et au contraire. Et c'est pas parce qu'on va souffrir, qu'on va pleurer, qu'on va être plus performant et qu'on va mieux être un marqueur de progrès, au contraire. Oui, moi, après, à l'inverse, je dirais que ce qui m'a choqué dans le nouvel EPS, c'est que donc j'ai un fils qui fait du sport de haut niveau en rugby, qui a eu 12. Je lui dis, pourquoi tu as eu 12? Parce qu'il y a 40% de la note maintenant qui est académique. Parce qu'on a voulu que tout le monde soit bon en sport. Sauf que lui, quand il n'est pas bon en maths, personne vient lui rajouter 5 points. Je pense qu'on a le droit de dire, donc maintenant, on note plus sa performance athlétique. Il doit rendre un dossier qu'il n'a pas écouté ou qu'il n'a pas rendu. Donc tant pis pour lui. Donc je pense qu'on peut aussi valoriser les gens qui sont bons en sport. Parce que c'est aussi, ça peut être aussi fort que les maths, etc. Et moi, je pense aussi, ce que j'aime bien dans l'exigence du sport, c'est que je trouve qu'on est en train de faire une génération. Je ne dis pas que c'est bien, hein. Moi, j'ai vu des choses pas belles dans des clubs parisiens. Mais en tout cas, je pense qu'il faut aussi apprendre à perdre. Enfin, moi, le cheval d'Arçon, je détestais ça. J'en garde un souvenir épouvantable. Ça m'a pas... Je crois que ça n'existe plus, d'ailleurs. Je ne sais pas si on fait encore cette pratique. Et je me dis qu'il faut de la bienveillance, mais on a aussi le droit d'être exigeant et puis de... Ben, moi j'étais nulle en barre athlétique, ben, j'étais nulle, j'avais une mauvaise note et puis je m'en remettais et puis j'étais bonne au volet et puis voilà, je pense qu'il faut aussi, on veut tout lisser alors qu'il y aura toujours des très bons en maths et puis des moins bons dans certaines matières, on a le droit de se dire qu'on performe quelque part et qu'on est moins bon ailleurs et à tout vouloir mettre comme ça, enfin, en tout cas moi ça, c'est qu'un point de vue très personnel.
Alors, je suis une ancienne athlète, hein, quand même. J'ai fait 15 ans international. Et je vais vous dire un truc. Le rapport à la performance, c'est quelque chose que je dis systématiquement. Ça suffit. Si tu veux avoir du plaisir... Moi, j'ai fait une très longue carrière parce que je prenais du plaisir. Et ce qui me plaisait, et pourtant, c'est du combat, hein, ça fait mal aussi, ça peut faire mal. C'était la connexion avec l'autre. C'était le fait de mettre les compétences autour de soi au service de cette liberté qu'on a quand on pratique. Et je vais aller même plus loin. Hein. Je vais vous dire que la compétition, la concurrence, l'adversaire, la gagne, en fait, en tant qu'être humain, ça nous met, bam, dans le mur direct. Ce qui est en train de se passer sur notre planète, c'est parce qu'on pense comme ça. T'es triple champion du monde de karaté, oui, mais je vais, tu sais pourquoi, Brieux? Parce que je m'en moquais de la compétition. Parce que j'aimais ce que je faisais. Oui, je travaillais. Par contre, ça demandait des efforts. Mais c'était comme, j'étais comme une chercheuse. J'ai dit, ah tiens, là, quand je fais ça, il se passe ça. Et quand, c'était de l'analyse. Et c'est merveilleux. Il y a pas, j'ai pas trouvé, même en entreprise, le fait que tu peux être toi-même, que tu as droit à l'erreur, et que c'est pour avoir le plaisir de t'épanouir. J'ai vécu ça, mais je le souhaite à tout le monde. Alors ça veut dire qu'en termes d'état d'esprit, il faut arrêter de penser compétition, il faut arrêter de penser je suis le meilleur, mais t'es meilleur de quoi, mec? Tu vois, c'est à un moment donné, la défaite et la victoire, c'est éphémère, c'est un moment, c'est qu'est-ce que t'en fais? Et parce que le problème de ça, c'est que derrière, tu vas complexer, tu vas être névrosé, tu vas te doper, c'est l'inverse qu'on souhaite. Et quand on parle des valeurs, quand on parle du respect, de l'amitié, c'est pas tout ce qu'on dit à l'inverse. Mais alors, faut pas penser. Et d'où? Et c'est ça qu'il faut en termes de mentalité. Et je suis sûre qu'on parle aux jeunes, il faudrait leur demander. C'est plus ça. C'est fini la compète. Ça nous détruit, ça détruit la planète, ça, on fracasse tout à se dire « je suis le meilleur, c'est moi, c'est pour moi ». Non, moi ce que je kiffe, c'est l'échange, et pourtant je fais un sport individuel. C'est l'échange, c'est le fait que j'apprends de l'autre. Mais oui, c'est des valeurs, et en plus quand tu fais du haut niveau, tu le sais. Moi, je connais personne qui joue à FIFA pour perdre, hein, donc j'ai quand même des gens qui discutent, mais à l'arrivée, il y a quand même le truc de la win qui est un truc personnel et d'exigence. Les deux vont ensemble. Mais en tout cas, c'est un point qu'on appelle, on garde les deux. Alain, là-dessus, sur la compète, vous avez évolué dans le temps ou non? Vous avez quand même des... Ouais, moi, je pense qu'il y a un paradoxe en France par rapport, on parlait des pays anglo-saxons. Les enfants font du sport à l'école et ils sont initiés en fait par des pédagogues qui connaissent parfaitement les enfants, qui connaissent parfaitement la construction de l'enfant. En France, je crois qu'un des problèmes, c'est que ces bénévoles qui viennent ne connaissent pas forcément très bien les enfants. Et donc, ce n'est pas les enfants, parce que les enfants, ils veulent gagner. C'est les grands qui veulent gagner à leur place. Et c'est eux qui mettent la pression à ces enfants en disant « Oui, oui, on va gagner !» Parce que moi, je suis champion du tournoi de la 28e division là-bas. Et je reviens avec la coupe. Donc, je pense que le problème, il est là. Il est qu'aujourd'hui, il faut qu'on éduque nos éducateurs à travailler avec les enfants. Quand j'ai 6 ans, ben voilà ce que je peux faire et voilà ce que je suis capable de faire. Quand j'ai 8 ans, voilà ce que je suis capable de faire. Quand j'ai 10 ans, voilà ce que je suis capable de faire. Et aujourd'hui, en fait, cette championnite, elle est générée par les éducateurs qui, eux, ben, ils veulent gagner. Parce que moi, j'ai 50 piges et j'ai jamais gagné et je vais gagner. Et je gagne à travers les enfants. Et donc j'envoie un message qui est complètement erroné et qui amène les enfants sur quelque chose de totalement sur la mauvaise route. Et le plaisir, il est où alors? Parce que c'est d'abord le plaisir. Les enfants, ils viennent pour prendre du plaisir. Donc donnons du plaisir aux enfants et réfléchissons comment on peut donner un coup de main à nos bénévoles pour que ça soit pas eux qui fassent la championnite, mais qui fassent jouer les enfants. Avant d'accueillir Laurie Delossa qui va nous rejoindre dans 2 minutes, un petit dernier tour de table un peu pour vos actus à venir. Chère Agnès, que vous êtes sur le projet de l'île aux Vannes à Saint-Ouen, du projet Tony Parker Adéquate Academy là-bas. Qu'est-ce qui est différent de Lyon? Qu'est-ce qui vous anime là sur ce projet à Saint-Ouen? Sur l'Académie de Lyon, elle est quand même née basket et elle reste basket. Hein. D'abord, quand on s'appelle Tony Parker, on est quand même très reconnu pour ça. Donc, on va prendre le concept originel. Cette chaîne justement que j'expliquais, éducation, formation, emploi ou entrepreneuriat, avec tout le travail avec les associations, les clubs et les entreprises. Mais effectivement, on va le dupliquer avec une ouverture à tout à fait d'autres sports. Donc on va être plutôt sur le paddle, sur le 3-3, on va être sur la breakdance, etc. Et donc là, on va pratiquement tout faire sauf le basket. Voilà. Et avec plus de dimensions aussi, et plus d'ancrage et d'impact sur le territoire. Voilà, super projet. Ouverture septembre 2025.
post-JO. Et puis, effectivement, en retraçant ce qu'on dit, c'est-à-dire une grande attention aux jeunes et un accompagnement global où vraiment toutes les parties prenantes travaillent ensemble. Laurence, Caroline ? Non, pas de point. Bah, écoutez, nous, Fight for Dignity, on avance bien, on se déploie en France. On est aujourd'hui on travaille avec des maisons des femmes, donc sur des parcours de soins de patientes où on amène la pratique du karaté, pour l'instant du karaté. Donc tu vois, déjà un objectif, c'est de dire oui, si ça fonctionne avec le karaté et si on considère que le sport est universel, ça doit fonctionner avec d'autres disciplines. Et donc on sera présent en Avignon l'année prochaine, à Rennes, à Grenoble. Donc on s'associe à d'autres nouvelles structures. On continue au Congo, donc on espère accompagner des survivantes à la sortie de leur parcours de soins. Continuer à l'international, être dans plus de structures, former encore autant d'enseignantes, relancer une action recherche autour de l'impact de la pratique sur les patientes, mais peut-être plus sur l'aspect physique, parce qu'on a beaucoup développé le post-trauma en activité physique adaptée post-trauma, et voir vraiment quels sont l'impact physique et comment on peut améliorer la méthode qu'on a mise en place pour les enseignantes. Alors nous, on a eu la chance, ou en tout cas l'obligation, on a été nommé par le président de la République et le gouvernement dans les 100 entreprises pépites qui doivent changer la France sur le domaine éducatif. Donc ça nous oblige, les équipes sont au courant. L'idée, elle est toute simple, c'est passer de 2 millions d'utilisateurs à 10 millions très vite en francophonie. Et aujourd'hui, on a toutes les matières dans l'application, la philo, les maths, les bacs pro, les CAP, les licences. C'est de rajouter un module de sport. Ça sera fait avec des professeurs de PS. Ça sera qu'un démarrage, parce que moi, mon but, c'est que les élèves retournent dans les clubs. Hein, donc, je ne veux surtout pas voler au club, tout comme je ne veux pas voler l'école. Mais en tout cas, on va mettre des modules gratuits pour tous les goûts. Voilà, ça pourra aller de yoga à des choses beaucoup plus physiques. On va le faire très vite, parce que c'est un combat personnel. Voilà, je l'ai mené pour mes enfants et je vais le mener maintenant qu'ils partent pour les enfants des autres. Donc, c'est quelque chose qu'on va porter très fort. Voilà, pour nous, ça peut développer la citoyenneté. On fait des très belles choses en Afrique autour de ça. Donc, on va continuer, comme tu disais tout à l'heure. Et moi, je suis tout à fait d'accord pour travailler avec les ministères, avec les ONG aujourd'hui. Par contre, ce que je dis, et ça peut choquer, c'est que s'ils n'y vont pas, eh ben, on fera comme on a fait pour l'école au départ, eh ben, on ira seul. Voilà. Parce que il y a des moments donnés, il faut prendre des sujets. Et si c'est long, il y a aussi des objectifs. L'école, ils viennent à nous maintenant parce qu'on a réussi. Et le sport, ben, si on veut nous aider, on nous aidera. Et si personne nous aide, eh ben, on avancera. Il voilà. Bon, y a plus de monde avec vous aujourd'hui, là, ça va. Comment ? Il y a du monde derrière quand même, il y a plus de monde aujourd'hui avec vous. Oui, non mais moi j'adore les discours et je veux être à la hauteur des discours, par contre j'attends les actes. Voilà, je veux que... Donc je vais voir si ça change quelque chose, j'espère, j'y crois à fond. Hein. Mais j'ai un petit truc qui me dit, bon, notez. On verra. Alain, qui aime les actes, dernier mot pour vous. Écoutez, nous on a un an d'existence, on a lancé le projet à Orange dans le 84, on a une première année où on a 30% d'enfants en plus, on a 40% de bénévoles qui nous ont rejoints grâce à ce projet, et aujourd'hui on est dans un souci d'essaimage, donc on a mis en place 3 journées où on va parler de rugby, mais le rugby n'est qu'un prétexte, vous l'avez compris, l'idée c'est de faire du sport, où on fait rugby et culture, rugby et environnement, et rugby et handicap, et puis les clubs qui sont le plus enclins, qui sont vraiment dans une logique de formation et d'éducation, bah, l'idée c'est de pouvoir déployer et d'aller un petit peu plus loin avec les moyens qui seront les nôtres, puisqu'on est un fonds de dotation et on a besoin de mécènes. Pendant qu'on accueille Laurie, on peut remercier chaleureusement nos invités et on va rester. Merci. Merci à tous, merci beaucoup, bravo. Avant que vous sortiez, je vais donner le petit rendez-vous pour demain. Rendez-vous à 10h. Demain, on parlera notamment intelligence artificielle. À partir de 10h, on parlera des data. Ce sera passionnant. Et puis, on parlera aussi de sport santé parmi les thèmes de cette deuxième journée. Demain, merci d'avoir été ici. Et rendez-vous à 10h au même endroit. Et merci beaucoup et belle soirée à tous.